Nouvelle vidéo, ça commence par un training, on est chaud. Tu fais quoi toi aujourd'hui, gros? Moi, ça va être les jambes. Putain, moi aussi. Jeudi matin, les jambes. Ah ouais? Ah bah ça va, Yacoupo aussi, donc moi, ça va. Petite séance cuisse, grosse séance mollet, épaule. Si, c'est bon programme. Oui, j'ai encore les courbatures de la séance dans la salle de crossfit là. Quand je commençais par les fentes, hardcore. Les adducteurs et les seufs, laisse tomber. Je pouvais pas m'asseoir pendant 2 jours. Ouais, je vais me prendre une petite boisson, je vais me prendre des aminos, des CA, que j'ai oublié les miens. Et c'est le seul complément en plus que je prends ici. Donc voilà quoi, on va voir si c'est bon. En même temps, ça m'aide à passer les pièces que je trimballe, elles sont plus lourdes de jour en jour. Ouais, c'est parti pour mon premier exercice, donc pour moi et Jacques, ça va être fente arrière, pas alterné. C'est-à-dire qu'on fait toujours la même jambe. Par exemple, je recule là ma jambe gauche, je recule la jambe gauche et je refais la même jambe. Ok, c'est Alex qui fout le bordel dans la salle. Il fait ses petits sourires beau gosse et tout. Tu forces ou quoi? Comment ça t'as déjà changé de jambe? C'est 8. Et alors? T'as rien forcé gros là? Ok, donc là c'est une de mes 3 séances jambes-épaules. Celle-ci c'est accentué plus sur les épaules. Donc on commence par les épaules, ensuite les cuisses, on termine par les mollets. Et je commence avec un exercice très complet, épaulé jeté. Alors c'est un épaulé jeté de musculation, pas d'haltéro. Donc ne vous énervez pas les haltérophiles. C'est des gens énervés, hein, souvent. Donc juste un truc, c'est un exercice polyarticulaire, c'est le premier, je suis bien échauffé, je vais tricher bien sûr un petit peu, je vais me servir de l'élan, je vais me servir de la flexion des genoux, mais tout ça pour porter un petit peu plus lourd. Et si vous regardez bien, je retiens toujours la phase excentrique, d'accord? C'est là où c'est le plus rentable, c'est là où c'est le plus efficace, où on casse le plus de fibres. Donc c'est parti, gros son dans les oreilles, la playlist d'Alex de Bodytime dispo sur toutes les plateformes. Troisième série, ça commence à devenir très dur. J'ai baissé un peu la charge. Pourquoi? Parce que déjà, je pense pas que j'arriverai à tenir 8 reps. Et aussi parce que je commence à dénaturer un peu le mouvement. Alex m'a fait remarquer que j'avais tendance à plus avancer l'épaule gauche. Donc, c'est pas catastrophique, c'est pas à risque de se blesser ou quoi. Mais juste voilà, après la technique, c'est travailler les deux jambes du même côté. Parce que du coup, ça veut dire que je forçais un peu plus d'une jambe. Donc voilà, j'essaie de plus me concentrer sur la technique. C'est la dernière série. Un peu plus léger, mais ça va être très dur quand même. Ok, il m'a fait remarquer, je vais pas forcer, mais là, je vais ajouter du poids. D'accord? Tu vas rajouter 15 et 15. Ok. De chaque côté. Ah, bah quand même, il rajoute. En fait, tu rajoutes 30 kilos, quoi. C'est vraiment que tu travaillais pas avant. Non, je vais essayer, peut-être que j'arrive pas. Bon. Dites un peu là si vous trouvez qu'Yacopo il a pris un peu. Les poils. La barre, les poils. Là, il force. On est d'accord. Et on en voit trop des gens comme ça à la salle. Ils font des mouvements, ils forcent pas. Ça sert à rien du tout, hein, restez chez vous. N'oubliez pas que c'est ça qui fait la diff. Vous pouvez avoir le meilleur programme du monde si vous forcez pas correctement, si vous vous donnez pas à l'entraînement. Ça sert à rien du tout. Deuxième exo, on passe à la presse, bon plus simple, 3x10, une 30 de repos.
Trois deuxième exercice, j'enchaîne avec le développé épaule. Donc même problème que la séance précédente, c'est que les haltères s'arrêtent à 30. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller à l'échec. Je vais faire plus de reps que ce qui était prévu. Normalement, je crois que c'est entre 8 et 10. Donc je pense qu'avec les 30 kg, je vais faire au moins 15 reps, j'espère. Et c'est parti. La séance précédente, elle était à blanc, j'ai fait une erreur. C'est un bicep, normalement c'est développé épaule enchaîné avec les élévations latérales au poulie basse. Donc je la compte pas et je recommence comme si c'était la première. Bon, troisième exercice lourd pour les jambes, soulevé de terre. Bon, je dis direct, ça pique. On met moins lourd, on va chercher à faire 15 répétitions. Pourquoi? Parce que nerveusement, normalement, on est éclaté, on a fait deux gros exos avant. Donc voilà, moins lourd, concentrez-vous sur la technique, 15 répétitions. Ok, super set pour terminer, on finit avec l'avant de l'épaule, enchaîné avec l'arrière de l'épaule, élévation frontale, oiseau aux haltères. Donc moi, je sais pas vous, mais moi personnellement, je prends à peu près les mêmes charges pour l'élévation frontale et pour l'oiseau. Toi? Moi aussi. Toi aussi? Ouais. Ah, c'est parti de la team quoi. La team. Avec les jambes pour passer au mollet, mais non, l'autre débile il a mis des fentes sautées dans son programme. C'est qui l'a aimé? C'est toi non? C'est moi le débile. Ah. Donc fentes sautées, 4 séries de 30 reps, 8 minutes de repos. Bien sûr, si vous voulez rejoindre le programme, vous savez que sur BodyTime que ça se passe, bodytime.fr. Là, on a le nouveau site, soit qui est sorti, soit qui va sortir. Allez, checker ça et bon courage. Après les jambes, on passe enfin au mollet, bicep, presse, extension mollet debout. Il n'y a pas l'appareil, donc je vais faire un peu plus de séries à la presse. Et c'est parti. Bon, avec une très très grosse envie, j'attaque les cuisses. Donc j'ai que deux exos, j'ai de la presse, j'ai des squat jumps. Et en plus de ça, je vais devoir faire des séries longues parce qu'il n'y a qu'un rack pour charger, enfin un de chaque côté. Et j'ai mis tout ce qu'il y avait de plus lourd dans la salle. Ça passe à table. Bon. Pour moi, c'est bœuf. Riz, œuf, salade. Ah, le tas de sauce fromage, c'est du bœuf? Ouais. Ok. C'est du lait de vache qui est la femme du bœuf. Donc c'est bon. Ça passe. Moi, c'est petite soupe. Ça va mourir. Du bœuf aussi. Voilà, un peu de légumes, épinards, patates et riz. Et moi, c'est saumon fumé, shrimp. C'est quoi? C'est gambas, crevettes, brocoli, comment c'est qu'on dit? Riz et soupe. Shrimp. 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 Comment je t'appelle? Je m'appelle Ayoub. Bah voilà, enchanté, on vient de le rencontrer. La forme? En ouais, croissant là, sur le passage piéton, on a dit oh, petit. Tu fais quoi ici? Du coup, moi je travaille à la BNP, je
Là toi. Ah, la BNP sont ici. Ouais, ouais. Super. Ouais. Donc maintenant tu parles japonais couramment. Non, pas. J'utilise le français et l'anglais en fait. Ah ouais. Enfin bref. Bah écoute, tu fais plaisir, à la prochaine. Bon courage. Bon salut. Ciao. Ciao. On va voir qui entre lui et PJ craque le premier. Il lose. Good job. Alors, je vais pleurer direct. Attention, la revanche. Ready? Je pense quelque chose de très triste. Yeah, I'm ready. Okay. One. Okay. Ready? Go. Alors, elle va te chatouiller le nez avec ça. Et tu dois pas bouger. Et t'es contre lui. He's your challenger. Oh frère, ça chatouille, tu bouges pas. Bouge pas. Moi j'ai gagné les deux fois. J'ai joué deux fois. Oh, donc tu gagnes. Hein. 3, 2, 1, go! C'était comment? C'est pire qu'aujourd'hui. T'as dit quoi? C'est pire qu'aujourd'hui, les parcs d'attraction. Alex! Ok, new challenger, we try! Alex! Gros, représente, body time, la famille et tout. Nouveau challenger. Ready? 3, 2, 1, go! Bon, avant-dernière journée sur Tokyo pour nous, est-ce que tu veux raconter ce qui s'est passé hier soir? Hier soir, c'était une super soirée. Ouais. Moi, je me suis régalé. On a fait 3 boîtes en tout. Sauf que la troisième, moi, j'avais pas mes papiers, j'avais pas ma carte d'identité, donc je suis pas rentré. Et c'était déjà dedans. Moi, je suis rentré, je vois, je suis resté 3 heures quoi, à l'hôtel. Tout seul. Moi, con. Et là, petit déj, moi, c'est midi.
petit sandwich pour moi, avocat, crevettes, banane, jus de fruits et cheesecake. Et toi? Pas du tout là. Amande, pareil, banane, cheesecake, un petit mix fruit. D'accord. Ah oui, c'est samedi, hein. Samedi. Samedi. Ok, moi c'est parti, séance pec, épaule, triceps. Vous savez, il n'y a pas assez de poids ici, donc ça change complètement la séance. Du coup, je vais me faire peu d'exercices aussi. Je n'ai pas beaucoup dormi, mais plutôt en dégressif. Donc on attaque assez lourd et on va voir ce que ça donne. Premier superset, pec dos en entraînement du jour. Normalement c'est T-bar et couché aux haltères. Donc le couché aux haltères, il n'y a pas assez lourd ici. Et T-bar, il n'y a pas de place pour faire. Parce qu'il n'y a que deux barres. Il y en a une qu'on utilise pour coucher et l'autre à utiliser par quelqu'un d'autre. Donc je vais faire ce qui se rapproche le plus du T-bar au niveau de l'inclinaison, au niveau de l'angle de travail. Je vais faire du tirage horizontal à la machine. Et ensuite j'enchaînerai avec du couché à la barre. Allez, parti. Épaules, mais avec ça va être développé épaules, il n'y a que jusqu'à 30 kg, donc des séries plus longues, maximum de répétitions, enchaîné avec maximum de répétitions, pompe plaquée. Voilà, je vous ai dit peu d'exercices sur cette séance. Je vais plus chercher l'échec musculaire sur des séries un peu plus longues, j'ai pas trop dormi et c'est pas bien, mais bu un peu d'alcool. À Tokyo, on est à Shibuya et là vous avez vu, on a pris un beau restaurant japonais italien. Voilà, on voulait pas prendre de risque pour 38 000, donc samedi soir on va se casser le ventre. Sono penso nare.